pour se faire des ennemis, pas la peine de faire la guerre. Il suffit de dire ce que l'on pense, disait Martin Luther King. C'est parce que Ali Mrab a décidé de s'exprimer librement, d'être un journaliste avec une éthique et la déontologie de la profession du journaliste. C'est parce que Ali Mrab a interdit aux journalistes libres de les autorités marocaines. Depuis 10 ans déjà, ils l'ont interdit d'exercer son métier et sa profession de journaliste, mais il n'a pas plié aujourd'hui. Aujourd'hui, il le prive aujourd'hui de son droit le plus élémentaire, le droit d'être citoyen. Ce que ce refus de délivrer des papiers d'identité à l'encontre de Ali Mrab, il fait partie d'une politique menée depuis plusieurs années à l'encontre des journalistes et des militants des droits de l'homme. Le journaliste militant Hicham Mansouri, condamné en mars 2015 à 10 mois de prison et 40 000 dirhams d'amende pour complicité d'adultère. En fait, il est le chef de projet de l'Association marocaine pour le journalisme d'investigation et militant du mouvement du droit féminin. Hamid Mehdaoui, directeur du site Badil Info, a été condamné le mois dernier à 4 mois de prison avec sursis et 100 000 dirhams d'amende pour des dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur de la Direction Générale de la Santé Nationale, qui emprisonne justement et qui torture. Ahmed Najim, directeur de la publication The Good Empoema, condamné le 22 juin dernier aussi, a payé 500 000 dirhams de dommages et intérêts au secrétaire particulier du roi, Mounir Majidi. Khalid Guida vient d'être condamné à 3 mois de prison ferme pour état d'ébriété sur la voie publique, dans une affaire qui remonte en 2012. En fait, cette condamnation tombe au même moment où ses collègues, Ali Mrab et Ahmed Snoussi, ils s'apprêtaient à lancer un nouveau magazine satirique. Il a déclaré ça après sa condamnation. Ceci montre cela. Les autorités marocaines qui contrôlent directement et indirectement l'ensemble de la presse marocaine ont décidé de bâillonner toutes les voies libres et indépendantes. L'Ajdom apporte son soutien à tous les journalistes qui subissent cet acharnement répressif des autorités marocaines et demande l'annulation des poursuites qui instrumentalisent la justice dans une politique répressive qui nous rappelle les années de plomb. L'Ajdom exprime sa solidarité inconditionnelle avec Ali Mrab. L'Ajdom demande aux autorités marocaines de mettre un terme à toute forme de harcèlement à l'encontre de Ali Mrab, des journalistes, ainsi qu'à celle de l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme. Merci.